à Wimbledon, Meghan Markle n'est pas passé loin du faux pas protocolaire. Fraîchement devenue duchesse de Sussex après son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle apprend peu à peu les règles instaurées par la famille royale britannique. Et l'ex-actrice de Suite Avocat sur mesure commet parfois quelques erreurs. Attendue aux côtés de Kate Middleton pour la finale des Dames de Wimbledon, Meghan Markle était présente pour soutenir l'une de ses meilleures amies Serena Williams. Vêtue d'un ensemble, chemise rayée et pantalon large, signé Ralph Lauren, la compagne du prince Harry portait aussi dans ses mains un chapeau de la maison Michel. Et si elle ne portait pas ce Panama, ce n'est pas un hasard. Selon les règles de Wimbledon, il est demandé aux VIP de s'abstenir de porter des chapeaux. La raison est simple, celle de ne pas gêner les spectateurs assis derrière eux. Selon les informations rapportées par TSN, le code vestimentaire instauré à Wimbledon est assez strict. Les spectateurs dans la loge royale doivent suivre un ensemble de règles de mode. Les invités doivent s'habiller intelligemment et les hommes apporter une veste et une cravate. Heureusement, Meghan Markle n'a commis aucun faux pas et a pu profiter de sa première sortie officielle sans son époux aux côtés de la duchesse de Cambridge. Malheureusement, la duchesse de Sussex a aussi assisté à la défaite de sa demoiselle d'honneur face à la tennis Angélique Kerber.